Daphnaquère à Mincité, une petite ville industrielle située dans le grand nord du pays. Même si elle se trouve dans un endroit spectaculaire, la ville a connu des jours meilleurs grâce à l'exploitation forestière et minière. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'emplois. Les jeunes partent et les magasins ferment. L'arrivée de projets industriels semble donc bienvenue, notamment le projet de mine de fer de la compagnie Mégaroche. Depuis plusieurs mois, cette compagnie veut convaincre les habitants que son projet entraînera l'essor économique dont Mincité a besoin. C'est la très forte demande mondiale qui a fait grimper le prix du minerai de fer sur le marché. Selon le projet de Mégaroche, la totalité du minerai serait ainsi exportée par bateau à l'étranger. Grâce à ce marché, le projet annoncé par Mégaroche entraînerait la création de centaines de nouveaux emplois. En plus de la mise en place de la mine à ciel ouvert, on prévoit de nouvelles routes et la construction d'infrastructures. Une évaluation environnementale est en cours pour étudier les impacts sociaux et environnementaux du projet. En effet, la réalisation de ce projet risque de nuire aux espèces sauvages terrestres ainsi qu'aux poissons. On prévoit également que l'installation de la mine forcerait la destruction de 200 maisons de Mincité. L'équipe de Mégaroche devra aussi s'entendre avec les Autochtones de la région puisque la mine se situe sur leur territoire. Notre équipe s'est rendue sur place pour recueillir les propos des différentes personnes de la région qui se préoccupent des répercussions du projet Mégaroche. La mairesse de Mincité, le chef autochtone, les représentants industriels, un militant environnemental, une biologiste, un géochimiste, un citoyen et une chercheure spécialisée en environnement. Mégaroche est donc un projet qui divise la population et suscite énormément de questions et d'enjeux. Il y a bien sûr les enjeux environnementaux qui concernent la faune, la flore, les cours d'eau, la qualité de l'air, etc. Les enjeux économiques qui concernent surtout la création d'emplois et les retombées pour les commerces et la communauté en général. Les enjeux sociaux touchent à l'accès à l'information et à la délocalisation des citoyens. Finalement, les enjeux scientifiques concernent l'avancement des connaissances dans plusieurs domaines et la modernisation de la loi sur les mines. Pour s'y retrouver, le gouvernement vient de nommer un jury citoyen. Ce groupe de citoyens bénévoles devra soupeser les arguments des uns et des autres à propos de ces enjeux et compléter cette information en lisant des articles. Tout ça afin de mesurer les avantages et les risques de ce projet minier. La responsabilité des membres de ce jury est donc énorme. Que penser des promesses des industriels ou encore des craintes de certains scientifiques et citoyens? Ce sera au jury citoyen d'éclairer le gouvernement dans sa décision d'appuyer ou non Mégaroche.